C'est le printemps. Alors bonjour. C'est le printemps. Alors j'ai envie de faire des fleurs. J'ai envie de faire un jardin. Jardin pour un lapin. Alors voilà. Je te propose une nouvelle activité pour Pâques. Faire un jardin avec un lapin. Des œufs de Pâques. Le panier. Des mimi. Hein. J'ai envie des fleurs, j'ai envie de lapin, faire sur ma carte de vœux, ma carte de vœux, elle est animée, viens essayer la faire avec moi. On y va ? On aura besoin de 3 feuilles de papier blanc. C'est un papier couleur, papier de couleur, des ciseaux, de la colle, crayon, feutre noir et crayon de couleur et des feutres. On y va ? Faire un jardin pour un lapin et des œufs de Pâques. T'as 3 feuilles de papier. Alors, première feuille, c'est pour la couverture. La deuxième feuille, c'est pour travailler la mise en scène. Et la troisième feuille, ça va être pour tes éléments. Alors, ce que tu vas faire, tu prends les deux feuilles, l'un sur l'autre, et tu les plies comme ça. Au milieu, juste au milieu, d'accord? Et tu ouvres. La feuille de l'extérieur, tu mets à part. Et on va s'occuper de ce papier-là, de cette feuille-là où tu vas créer ta mise en scène. Alors, on va découper, on va faire des petites incisions de long. On va dire 4 cm, d'accord ? 4 cm, 4 cm, 4 cm, et ici, plus petite, moi je fais au pif, mais 2 cm, d'accord? Voilà. Après, regarde ce que tu vas faire, tu vas retourner de l'autre côté. Faire ce genre de choses. Ici, tu vas plier. Ici, tu vas plier. Ici, tu vas plier. Voilà. Une fois que tu auras bien tout plié, tu auras 3 piliers, on va les appeler des piliers, où on va coller des éléments. Là, ici, on va coller un panier, et ici, on va coller un lapin. Et après, autour, tu fais ta décoration comme tu veux. Tu vas prendre la première feuille. Si tu as une feuille plus épaisse, feuille cartonnée de couleur, tu peux avoir pour ta couverture. Et on va tout relier et coller sur la feuille de la couverture. D'accord? Et là, on va travailler la mise en scène. On va découper un bout de papier. Et on va voir quelle taille on peut. Voilà.
découper pour faire le panier. Un panier de cette forme-là. Je fais un petit peu plus large parce que le papier, j'ai peur qu'il tiendra pas comme ça. Un papier très très fin, en fait simple, j'ai peur que ça tiendra pas extrêmement bien. Si tu as un papier légèrement plus épais, tu peux utiliser, mais on va déjà se débrouiller avec le moyen de bord. Voilà. Alors ça, on va dire, c'est notre panier. On va voir, on va découper déjà et voir si ça fonctionne. Ce que tu peux faire, tu peux aussi doubler le papier. Ça veut dire que tu découpes deux mêmes formes et tu colles. Alors, regardez. Là, si on colle et si on plie, ça va dépasser un petit peu, mais pas énormément. Alors, ce qu'on va faire, on va juste ici de la coursir. De la coursir. Si on colle, on laisse là, c'est bon. On va déjà bien décorer le panier. Faut bien tenir pour ne pas déchirer ton papier, parce que comme le papier il est très très fin, ça risque d'arriver très très facilement. J'ai mon panier. J'ai réfléchi comment je vais faire le lapin derrière. Je vais découper un morceau de papier. Et avant tout, je vais tester qu'est-ce que ça donne. Alors, on voit que on aura besoin de créer un lapin. Si tu veux qu'on voit bien sa tête et ses oreilles un petit peu ici. Tête et ses oreilles, voilà. Plus pour que souvent lapin il a des dents comme ça, c'est un peu rigolo. Voilà, et son corps qu'on voit pas complètement finir. On va lui dessiner bien les oreilles. Voilà, puis tu découpes. Si tu as un dessin qui est un peu trop difficile, tu peux couper un petit peu plus loin. Tu n'es pas obligé de couper complètement la ligne. Si tu as les oreilles qui sont très très fins ou tout petits, bah, tu découpes vraiment beaucoup plus loin que ta forme. Elle n'est pas très fragilisée. D'accord ?
Voilà. On a notre petit lapin. Petite lapinou. J'ai envie de lui faire encore comme ça, comme si elle avait un petit ventre. Même ici. Voilà. Alors, on va tester. Mais on voit sa tête. Alors, il est peut-être même un petit peu trop petit. On peut le remonter. Alors, tu en mets de la colle sur tes piliers. Voilà. Tu vas coller tout lapin. Dans le premier temps, tu colles déjà la pinou. Et puis après, tu regardes bien. Si ça te paraît vraiment que il n'est pas assez, visible, tu peux couper un petit peu là et un petit peu en bas, d'accord? Et puis tu colles ton panier. D'accord. Tu appuies bien. Voilà. Et si on ferme, on ouvre, bah, il est là. Alors, tu vas continuer maintenant. Faire ta décoration. Faire tes fleurs derrière. Dessiner des fleurs. Dessiner des œufs. Ici, tu peux mettre aussi, tu peux faire la petite pelouse, etc. On va continuer. Alors, ce que j'ai envie déjà de faire, c'est de faire une petite pelouse juste devant. Alors, je vais faire un truc extrêmement rapide. Je vais prendre du pastel. J'ai pensé coller cette petite pelouse juste devant le panier. Alors, ce qu'on va faire, on va comme ça, on va plier. Non, on n'a toujours pas les œufs. Alors, il va falloir découper. Alors tu peux découper, par exemple tu plies le papier, découper deux tout de suite à la fois. Hop. Voilà, tu pars un œuf là. Si tu le colles là, tu fais comme ça. Mets de la colle. Et un autre. Sur les feutres, ça modifie un peu le papier. Après, c'est bien de le laisser un petit peu sécher parce que souvent on retrouve les dessins complètement mouillés. Il est difficile à coller et des fois ça se déchire très facilement. Alors, vous faites bien attention à ça. Et tu poursuis ta décoration. Il faut bien tout décorer, bien tout remplir, d'accord? Là, tu peux écrire juste devant, si tu as envie d'écrire Joyeuse Pâques, d'accord? Je vais essayer. Hop.
avec le lapin. Voilà, tu rajoutes encore quelques œufs. Quelques œufs de Pâques, ça va être génial. Et tu peux aussi la décorer de l'extérieur, d'accord? D'accord. Faut laisser bien sécher hein, tes éléments, d'accord? Faut laisser bien tout sécher. Et bien sûr, tu peux dessiner quelque chose derrière. Un petit cœur. Lucie 2020. Bisous.